la salle de ma banlieue et une réunion de notre personnel au niveau de l'académie, parce qu'on n'a pas encore d'affilée là. Donc c'est la plus grande salle qu'on a au niveau de l'académie. Donc cette salle a été baptisée dans l'hôtel la salle multifonction. Et maintenant, c'est un honneur. C'est la parole du directeur des études, si je le directeur à l'île de l'Académie, pour pouvoir introduire l'événement qu'on a fait de faire ce matin pour commémorer et marquer la vie du nom de l'inspecteur général à l'école de Gaulle comme de la famille de l'Église. Je dis bonsoir à la ministre de la Justice, ainsi mon général vient de le dire. Comme vous le savez, ici, nous recevons presque là et tous les gens qui viennent aussi, les gens de la coopération. Et lorsque dans une salle, on ne peut pas tenir une formation, et on les fait venir ici et puis on fait de la formation. Et comme vous pouvez le constater, il y a un système qui vient d'être installé ici. Et ça nous permet de faire de la formation en ligne. Et nous recevons nos professeurs, il y en a un qui est là. Et nous faisons un peu tout, c'est un factotum, et en quelque sorte. Étant donné que c'était la salle multifonctionnelle dans le temps, maintenant on veut bien rebaptiser. Je suis tout oui, on va voir comment on va procéder, et puis moi je prends note. À vous la parole, merci infiniment de m'avoir accordé la parole. Au gouvernement, le personnel administratif de l'Académie, membres de la presse, l'inspecteur général Hamilton Nougo, c'est un confiant. Donc nous voulons immortaliser cette personne. C'est en ce sens que nous donnons aujourd'hui le nom de cette salle, le nom de la salle Hamilton Nougo. Et comme ça, nous pouvons immortaliser à l'Union de l'Union. À chaque événement qu'on va réaliser dans cet espace, on va penser à notre cher à l'Union. C'est dans ce sens qu'on a pris cette décision. Quoi d'autre selon le protocole? On ne saurait officialiser cette décision qui tient à immortaliser le nom de notre plus collègue Hamilton Nougo, sans vous laisser la parole comme ministre de tutelle de la police nationale, afin que cet acte puisse avoir tout son sens pour nous au niveau de la police nationale et que les générations de commissaires de police, d'inspecteurs de police qui auront à fréquenter l'académie de police puissent avoir en mémoire le souvenir, le passage de grand homme, de grand directeur qui a marqué sa présence au niveau de l'académie nationale de police. Merci beaucoup. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais c'est un plaisir et un honneur parce que c'est Hamilton Nougo et comme on le répète depuis ce matin, c'était un très grand homme. C'était quelqu'un d'insatiable qui a fait au savoir, qui avait toujours envie d'étudier, envie de savoir. Il suffit de voir son CV et pour comprendre comment il était passionné par les savoirs, par l'apprentissage. Et il a donné sa vie à cela aussi, formateur, parce que Hamilton Nougo, sur un plan personnel, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser dans deux universités plutôt qu'une. Je suis une ancienne convenue de l'école normale, lui il était en physique et moi en lettres modernes, et aussi la faculté de droit de Port-au-Prince. C'est une perte énorme pour le pays et moi je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous méritions, que nous continuions de mériter Hamilton Nougo. Et c'est une très très bonne décision, monsieur le directeur général, de baptiser cette salle et Hamilton Nougo. Je me mets déjà à rêver d'une plaque qui va immortaliser le nom de telle sorte que quand on entre dans cette salle, que l'on connaisse ou pas, voilà son histoire, on va se dire voilà, c'est la salle Hamilton Nougo. Il le mérite et il mérite plus encore. Il mérite que nous fassions le nécessaire
pour trouver qui ou qui sont derrière, qui est ou qui sont derrière cet assassinat odieux, et aussi que nous continuions de former les jeunes, de leur communiquer ce goût pour le savoir, cet amour pour Haïti. Donc l'héritage d'Arrington Rigaud est énorme et c'est une très 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 bonne décision que cette salle porte son nom, que nous puissions au jour le jour nous rappeler, citer son nom, voir sa photo et nous dire que tous les jours de notre vie de citoyennes et de citoyens, nous devons penser à ce qu'il nous laisse et ce qu'il a laissé à sa famille, à tous ces jeunes gens, femmes et hommes, qu'il a formés jusqu'au dernier jour de sa vie avec la même passion, la même conviction. Merci beaucoup pour Arrington Rigaud, merci pour tous les jeunes qui habitent ce pays et même si, merci pour les gens qui sont fâchés, parce que c'est légitime aujourd'hui d'être fâché, d'être en colère, parce qu'on n'avait pas le droit de nous enlever Arrington Rigaud et nous avons une nouvelle mission, toutes et tous, trouver les auteurs et co-auteurs de l'assassinat de l'inspecteur général Arrington Rigaud. En tout cas, merci de m'avoir permis de prendre la parole, d'évoquer la mémoire d'Arrington Rigaud et de le remercier encore et encore pour tout ce qu'il a fait et de vous remercier, vous, pour tous, pour cette salle, pour avoir pensé à graver son nom quelque part qui, où tout le monde pourra voir, tout le monde pourra se souvenir, aller se renseigner sur le personnage, le grand citoyen, le grand formateur que fut Arrington Rigaud. Merci beaucoup. En cette circonstance, je demande au ministre de la Justice, au directeur général, de remettre officiellement ce tableau au directeur AI de l'Académie et d'officiellement initier le processus de nomination de cette salle comme étant la salle Arrington Rigaud en remettant le tableau. Le ministre et le directeur général vont remettre le tableau au directeur AI de l'Académie. C'est nous. Directeur de l'Académie. On veut recevoir le tableau. On va être comme élu. Juste Monsieur le directeur des études. Retenir le tableau. Vous recevez le tableau officiellement des mains du ministre de la Justice et du DG qui ont déclaré la salle comme étant la salle Arrington Rigaud. Madame la ministre. Voilà. Désormais, cette salle s'appelle salle Arrington Rigaud. Chef, pas de. Pas de. Pas de. Pas de. Pas de. Pas de.